devenir juge. Pourquoi voter? Il est coupable. Autant faire ça dans les règles, non? Ça veut dire quoi, confiné? Et si le jury est dans une impasse, on l'isole dans un hôtel pour qu'il ne communique pas avec l'extérieur. Ça veut dire quoi, impasse? Quand le jury n'est pas d'accord sur un verdict. Et si? Une conjonction qui signifie dans le cas où, dans l'éventualité où. Alors, si on vote pas tous la même chose, on sera dans une impasse. Il faudra nous confiner dans le Palace Hotel de Springfield. Ça n'arrivera pas, Homer. Allez, votons. J'ai le foie qui fatigue. Là, on aura une chambre gratuite, des repas gratuits, une piscine gratuite, un film gratuit. Ouh, Sophie Willy. La justice n'est pas une chose frivole. Elle n'a rien à voir avec une baleine désobéissante. Maintenant, votons. Et qu'est-ce que vous allez voter? Coupable. Bon, très bien. Innocence, c'est prendre des S. Oh. Je fais ce qui me semble juste. Freddy Quimby doit sortir d'ici libre comme une chambre d'hôtel. Non, Marge, tu me manques. Mais je fais mon devoir. Je rentre à la maison dès que je peux. Room service, montez encore deux hot dogs et trois oreillers avec un chocolat dessus. Vous savez quoi? On se croirait dans le film Un drôle de couple. Vous, vous êtes le souillon et moi je suis... Ta gueule! Il est bon, bah, très bien, oui. Alors, Bart, toujours les entrailles rongées par la culpabilité? Mes entrailles vont très bien, merci. T'as devant toi un mec super cool, désolé de te décevoir. Suite de Mac Garnicole. Mac Garnicole est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Un seul témoin peut l'innocenter. Un petit poltron qui a trop peur pour aller témoigner. Il faut lui dire ce que tu as vu, Billy. Oui, mais j'ai trop peur, Mac Garnicole. Je t'en prie, Billy, fais-le pour moi, Mac Garnicole. D'accord. Pour vous. McGarnicle. Alors, McGarnicle, Billy est mort, la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Hé, hey, je vous signale que je suis en train de déjeuner. Saute, Willy, saute! Saute de toutes tes forces! Oh non, Willy n'a pas réussi, il a écrasé notre fils. Oh, quel gâchis! Pourquoi il a coupé la scène du réalisateur? Il l'a barné! J'ai quoi? Oh! Vous volez une table? Mais je la vole pas, les hôtels savent bien qu'on prend des trucs, c'est un souvenir! Dites, c'est pas ma cravate que vous portez! Souvenir! Maman, qu'est-ce que tu dirais si un sale type devait aller en prison et que je le savais innocent? Eh bien, vois-tu, ton oncle Arthur disait toujours « Descendez-les tous, Dieu fera le tri ». Malheureusement, un jour, il a mis sa théorie en pratique. Il a fallu 75 Marshall pour en venir à bout. Alors ne parlons plus jamais de lui. Maman. Mais si je peux sortir ce type du pétrin, tu crois que je devrais le faire? Chérie. Écoute ce que dit ton cœur, n'écoute pas ce que dit ta tête, comme l'a fait un certain oncle par un matin gris de décembre. Bien que la réouverture d'un procès à ce stade soit illégale et hautement anticonstitutionnelle, je ne peux pas dire non à des enfants. Dites-moi, jeune homme, si Freddy Quimby n'a pas infligé ses blessures à Monsieur Corrida, qui en est l'auteur? J'étais caché dans la cuisine quand ça s'est passé. Dis-le, l'espingouin. Dis Cresson. Yamé. D'accord, tu l'auras voulu. Je vais bien me régaler. Ça s'est passé. Je suis outrasé. Je ne suis pas les bouffons ridicules qu'il a décrit. Je vais les... Il n'y en avait pas des gros, c'est un sens. Comment as-tu pu voir tout ça, Bart? Tu n'étais pas censé être à l'école?
Il avait plus ou moins séché à l'école. Je le savais. Je savais que tu ferais une gaffe tôt ou tard. Quoi, quelle gaffe? Qu'est-ce que vous racontez? Il a avoué. Silence, j'en ai besoin. La cour déclare Freddy Quimby innocent et prononce l'acquittement. Affaire classée. Je suis impressionné par ton attitude. Tu as témoigné en faveur de Quimby en sachant que tu te jetais dans la gueule du loup. Mais par ailleurs, tu as séché l'école. Oh ben, je crois que les deux choses s'annulent, hein, on est d'accord? Je suis un homme mesquin sur certains plans. Un petit homme mesquin. 3 mois de retenue. Non, un instant, Bart. Disons, 4 mois de retenue. Tu peux pas savoir, c'était horrible. Tout le monde était contre moi dans ce jury. Mais j'ai eu le courage de mes opinions et je l'ai emporté. Et c'est grâce à ça que le midi, on a mangé chinois. Oh, bravo, Homer. Tu sais qu'il s'est passé plein de choses pendant ton absence. C'est pas vrai. J'espère que tu vas tout me raconter. Donne-moi ça. Celle-là aussi. Et puis celle-là aussi.